Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin, voici les titres du journal. Aujourd'hui, 24 mars 2023, la communauté internationale commémore la 28e édition de la Journée mondiale contre la tuberculose. Au Bénin, l'événement est célébré au Centre hospitalier Lazaret de Cotonou, un événement qui a enregistré la participation des anciens patients tuberculeux. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la guerre ouverte aux cybercriminels, communément appelés gaïmen. Depuis quelques mois, des centaines de jeunes impliqués dans cette activité illicite sont appréhendés par la police républicaine et présentés au procureur de la République territorialement compétent avec à la clé des condamnations à la privation de liberté. Quel est le regard de la société sur le phénomène resté longtemps impuni? Dans ce journal, vous allez suivre les propos recueillis auprès des citoyens dans la ville de Cotonou. Nous parlerons également du lancement du mois de la francophonie au Bénin. Le top de l'édition 2023 a été donné ce vendredi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération quelques jours seulement après la journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars dernier. Un événement qui a connu la présence d'une forte délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce vendredi 24 mars 2023 la Journée mondiale contre la tuberculose. Il s'agit de la 28e édition dont les manifestations au plan national se sont déroulées au centre hospitalier Lazaret de Cotonou. Un événement qui a enregistré la participation des anciens patients tuberculeux. Nous allons suivre. C'est un changement de paradigme qui inspire la célébration de la 28e édition de la Journée mondiale contre la tuberculose. Comme tous les ans, cette journée sert de cadre de réflexion aux différents acteurs, y compris les populations, sur les perspectives d'élimination de l'épidémie d'ici 2030. C'est d'ailleurs le message que véhicule le thème de cette année intitulé « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Et chacun à son niveau devra s'interroger pour dire, pour voir si chaque acte qu'il pose, chaque geste qu'il fait va dans la direction de mettre fin à la tuberculose dans notre pays et au-delà. Les manifestations officielles au plan national de la Journée mondiale contre la tuberculose se sont déroulées en présence des agents de santé, des patients sous traitement et l'association des anciens patients tuberculeux du Bénin. À cette occasion, tous les discours convergent vers une dynamique optimiste pour véritablement finir avec le mal. Nous disposons des outils et des connaissances pour mettre fin à la tuberculose. L'heure est venue d'intensifier notre réponse et de veiller à ce que chaque personne ait accès aux outils éprouvés et vitaux de lutte contre la tuberculose. Au Bénin, le nombre de cas de tuberculose dépistés en 2022 a augmenté de 11% et de 5% par rapport à l'année précédente. Par contre, le taux de succès thérapeutique est estimé à 90% pour la cohorte des patients mis sous traitement en 2021. Ce qui signifie que de nombreux efforts sont fournis pour lutter contre la tuberculose au plan national. Il est quand même bon de noter que nos pays renforcent l'adoption des nouveaux outils et orientations recommandés par l'OMS, ce qui traduit non seulement par un accès précoce à la prévention et aux soins de la tuberculose, mais aussi par de meilleurs résultats. En dépit de ces réalisations, il faut admettre que des défis importants restent à relever, notamment la nécessité d'améliorer la prise en charge globale des patients en renforçant les volets nutritionnels, psychosociaux, tout en assurant leur réinsertion professionnelle. Le renforcement de l'implication des organisations à base communautaire dans la lutte anti-tuberculeuse, la mobilisation des ressources durables, aussi bien financières qu'humaines et matérielles. Au cours de la cérémonie, le Centre de dépistage de la tuberculose des collines a reçu le prix Martin Nimafan du meilleur département de la lutte contre la tuberculose. Les manifestations se sont déroulées dans une ambiance bon enfant. Quelques jours seulement après la Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération lance le mois de la francophonie au Bénin. Le top de l'édition 2023 a été donné ce vendredi en présence d'une forte délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Voici le compte rendu de la cérémonie. L'hymne national de la francophonie, exécuté en chœur pour lancer le mois de la francophonie au Bénin.
cette célébration qui permet de promouvoir la richesse et la diversité de la langue française mobilise tous les États francophones autour du thème 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Je me réjouis de prendre part à la présente cérémonie qui consacre le lancement officiel du mois de la francophonie au Bénin. C'est le signe de la vitalité du projet francophone au Bénin et du dynamisme des acteurs publics, diplomatiques, du secteur privé et de la société civile qui le font vivre au quotidien. La diversité de ces acteurs et le travail collégial qu'ils réalisent pour le rayonnement de la francophonie, de ses valeurs et de ses actions symbolisent l'esprit de la solidarité active et agissante qui, dès le départ, caractérisait la construction d'une francophonie des solutions et qui, depuis 2019, nourrit la francophonie de l'avenir voulue par la secrétaire générale de la francophonie, son excellence, Madame Louise Mouchikwabo. Afin de marquer de façon significative l'édition 2023 du mois de la francophonie, il a prévu des manifestations scientifiques, culturelles et sportives, ainsi que des activités de promotion de l'excellence. À cette rencontre, un coin de voile a été levé sur quelques réalisations phares de l'Organisation internationale de la francophonie au Bénin. La coopération du Bénin avec l'OIF s'est renforcée davantage ces dernières années dans un domaine que je voudrais souligner sur le plan de la promotion de l'entrepreneuriat, par exemple, des jeunes et des femmes, le fonds Francophonie avec elle, qui est à sa troisième édition, a financé des projets très importants dans ce pays au profit de diverses associations à hauteur de 165 000 euros, je crois. Et dans le cadre de la Francophonie, la coopération décentralisée, l'Association internationale des maires francophones appuie la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, sur plusieurs projets dans le domaine du numérique, des services décentralisés, du renforcement des capacités des agents et des autres secteurs stratégiques pour les villes. Avant de mettre un thème à cette rencontre, les participants ont pris connaissance du message de la secrétaire générale de la francophonie diffusé à l'occasion. Vous méritez d'être mieux accompagné. Parlons numérique à présent avec les directeurs des systèmes d'information des ministères et structures de l'État qui étaient en conférence statutaire ce jeudi 23 mars. Au cœur des discussions, les réalisations faites en matière de digitalisation des services publics au Bénin afin de définir ensemble les meilleures stratégies adoptées pour l'atteinte des objectifs fixés. Et pour 2023, de grands projets sont annoncés. Idrissou Boukari pour Le Point. C'est la première rencontre au titre de l'année 2023. Au Palais des Congrès de Cotonou, ce jeudi 23 mars 2023, s'ouvrent les travaux de la conférence des directeurs des systèmes d'information des services de l'État. Elle est organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique à travers son pôle système d'information et digitalisation avec des objectifs bien précis. L'objectif de la conférence des DSI, c'est de rassembler les DSI autour des différents enjeux qui les incombent en matière de digitalisation des services, en matière de sécurisation des services et en matière d'opérationnalisation, c'est-à-dire d'exploitation de tout ce qui est e-service que nous mettons aujourd'hui en ligne pour les usagers clients de l'administration, pour dire en général en fait du peuple béninois. Des services digitaux sécurisés pour les citoyens, c'est le thème de cette conférence. La vision du gouvernement du président Patrice Talon est de faire du Bénin une plateforme numérique dans la sous-région d'ici quelques années. Une ambition clairement indiquée dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 et la contribution des directeurs des systèmes d'information dans sa mise en œuvre est capitale. À cet effet, d'importants projets sont prévus pour 2023. Le portail national des services publics, dont le succès n'est plus à démontrer. Nous avons cependant à relever ensemble le défi au cours de cette année 2023 de renforcer son framework avec notre partenaire estonien et d'accompagner les bénéficiaires dans leurs besoins et demandes d'évolution des e-services pour favoriser encore plus son adoption, leur adoption. Des projets tout aussi ambitieux sont livrés
seront livrés cette année, à commencer par la plateforme nationale de paiement électronique dans sa première phase. Ces activités ont repris intensément depuis le début de cette année. Les principaux facturés de l'État, comme la SBE, dont j'ai vu le DSI d'ailleurs tout à l'heure, la SONEB, les opérateurs Mobile Money, sont engagés et participent pleinement à la gouvernance pilotée par le comité et sous la présidence du DSI, du ministère de l'Économie et des Finances. Autant de projets d'envergure donc pour la digitalisation et la dématérialisation de l'administration publique. Plusieurs communications ont meublé cette conférence. La première a porté sur la présentation du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle et la deuxième sur le référentiel de sécurité pour la protection des services en ligne. Toujours parlant du numérique, mais cette fois-ci, la partie vicieuse de la pièce, je vais nommer la cybercriminalité. Vous le savez, la justice béninoise mène une traque implacable aux cybercriminels, communément appelés gaymen, depuis plusieurs mois. Des centaines de jeunes se livrant à cette activité illicite sont appréhendés par la police républicaine dans presque toutes les villes du Bénin. Ils sont nombreux à être présentés au procureur de la République, qui est territorialement compétent, avec à la clé des condamnations à la privation de liberté. La rédaction de Canal 3 Bénin concocte une série de réalisations sur cette actualité dans nos différentes éditions. La première de notre série est le regard des citoyens sur le phénomène resté longtemps impuni. Voici les propos de ceux qui ont bien voulu se confier à nos micros. La cybercriminalité, c'est l'ensemble des infractions commises par le biais d'un appareil informatique. Et donc, quand on parle de cybercriminalité, aujourd'hui, on pense beaucoup plus à la cyberarnaque. Et donc, la cyberarnaque, c'est-à-dire le phénomène des gaymen aujourd'hui, fait partie en fait de la cybercriminalité. Ce n'est pas en fait le seul élément qui définit la cybercriminalité, c'est l'un des éléments qui définit en fait la cybercriminalité. Il y a en fait plusieurs stratégies que les gouvernements mettent en place en matière de cybersécurité et autres là pour en fait essayer de les arrêter, notamment l'utilisation des adresses IP quand il y a en fait des menaces. Lorsque vous parlez par exemple de Bénin à l'étranger, lorsque vous voulez faire des opérations et qu'on voit directement Bénin, que ça doit être une transaction électronique, financière, déjà il y a la crainte. Mais quand on dit que vous êtes e-commerçant béninois, il y a la crainte en fait, des internautes qui sont hors du territoire. On se dit en même temps, qu'est-ce pour que c'est fier, qu'est-ce pour que ce n'est pas de la cybercriminalité. Donc tout ça en fait ralentit en quelque sorte le développement économique du pays. Et donc cette traque-là, elle est bienvenue. Elle est bienvenue parce que ça permet quand même de freiner ce phénomène-là. Maintenant, le volet sur lequel on pourrait s'appesantir pour beaucoup plus en faire son analyse, ce n'est pas en fait sur la présence de la loi ou même sur la répression. C'est beaucoup plus sur le système carcéral. La cybercriminalité est répréhensible. On ne devrait pas tolérer que nos enfants, nos jeunes frères, deviennent des menaces pour la sécurité de chacun et de tous. Parce que le consommateur, à partir du moment où il a le droit à la sécurité, eh bien, on doit tout faire pour que son équilibre financier ne soit pas menacé, sa santé, sa vie. Arrêter le phénomène, c'est la chose la plus normale. Toutefois, vous savez, on dit souvent, lorsque vous voulez arracher un jouet à un enfant, il faut lui trouver un jouet de substitution. Et donc, la responsabilité sociétale de nous tous est engagée. Qu'est-ce que nous pouvons proposer aux jeunes en termes de métier, en termes de profession, en termes d'opportunités de business pour les reconduire vers les bons chemins, les remettre sur le rail, parce que demain, c'est eux qui devraient conduire, diriger notre société. La prison ne règle pas généralement les questions d'éducation. Il y en a qui en sortent beaucoup plus renforcés et qui sont maintenant vraiment consacrés à la chose parce que l'expérience douloureuse les a renforcés. Donc, on a perdu l'homme. On a perdu ce qu'on a voulu gagner. Mais il y en a quand même qui, après cette expérience, renoncent. Et ces cas-là ne sont pas nombreux. Donc, ce que j'aurais proposé, c'est d'institutionnaliser la lutte avec un projet bien réfléchi, ayant des étapes de résolution du problème dans une dimension holistique, c'est-à-dire sur le plan juridique,
il y a des actions bien planifiées. Sur le plan social et culturel, il y a des actions bien planifiées. Sur le plan économique, et sur le plan même de tout ce qui est lié à Internet. Le secrétaire général de l'UCCIF entendait Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones est à Cotonou depuis quelques jours. Sa visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'Assemblée générale de l'UCCIF qui se tiendra les 1er et 2 juin 2023 à Cotonou. Il était au siège du Conseil économique et social du Bénin pour suivre la cérémonie de clôture des travaux de la première session ordinaire du CES pour le compte de l'année 2023. Il est au micro de Canal 3 Bénin. Le déplacement que j'effectue aujourd'hui à Cotonou et depuis deux jours et mon arrivée vise à préparer l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones et la conférence qui lui sera adossée les 1er et 2 juin à Cotonou, au Bénin. Cette conférence et cette Assemblée générale, la dernière Assemblée générale de l'UCCIF a décidé que ce serait au Conseil économique et social du Bénin, et par le Conseil économique et social du Bénin qu'elle sera organisée, le Conseil économique et social du Bénin et son président, que je remercie ici, qui n'ont jamais fait défaut dans l'organisation et le travail de nos grandes organisations internationales. Donc j'ai eu le plaisir de pouvoir rencontrer ce matin le garde des Sceaux, avec qui on a eu... Une discussion qui s'est très bien passée, où j'ai pu, moi, réitérer le plaisir que j'ai d'être à chaque fois reçu à Cotonou et de pouvoir travailler avec le Conseil économique et social du Bénin sur le thème de l'eau qui devra occuper notre prochaine Assemblée générale et la conférence qui sera organisée. Et donc j'ai tenu, puisque le hasard a fait que cette mission s'est déroulée quand la clôture de la session ordinaire du Conseil économique et social béninois est arrivée, que de pouvoir y assister et de pouvoir... observer les travaux du Conseil économique et social. Et je tiens à remercier ici grandement le président Tabekbian pour l'accueil qui m'a été fait et puis pour la qualité de ce que j'ai pu entendre et des interlocuteurs que j'ai pu rencontrer jusque-là. Les étudiants de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, ESMER, ont désormais accès au programme de certification universitaire de l'Institut de référence Compass. La signature de la convention de partenariat entre les deux institutions de l'enseignement supérieur a eu lieu ce vendredi à Bomekalavi. C'est une opportunité de formation continue de courte durée et reconnue par de grandes universités du monde qui est ainsi actée. William Cliquant pour Le Point. Paraphe de documents, échange des conventions approuvées. Poignée de main traduisant l'engagement partagé de part et d'autre à collaborer les trois prochaines années durant. Le partenariat entre l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, ESMER, et l'Institut Compass prend ainsi vie. Au-delà du savoir-faire et de l'insertion professionnelle que la première école spécialisée dans les énergies renouvelables au Bénin et dans la sous-région garantit à ses apprenants, cette collaboration avec l'Institut Compass ouvre la voie à des programmes de certification universitaire supérieure. L'ambition de ESMER, c'est d'abord de faire des formalités, des formations de qualité. Et quand vous avez la chance et l'opportunité de croiser un institut comme Compass, avec plus de, je vais dire, 30 ans d'expérience dans le domaine des formations, surtout des formations continues, qui se résument généralement aujourd'hui avec les certifications universitaires. Et ces certifications universitaires qui donnent des crédits à l'Université de Laval, je crois que on donne la chance aux jeunes béninois de performer chacun dans leur domaine avec les différentes formations que nous allons bientôt démarrer. Ce sont des compétences en énergie renouvelable, environnement et développement durable proposées en régime de formation continue. Un plus donc à apporter aux acquis et diplômes de licence ou master obtenus par les étudiants. Les certifications ont aussi valeur de crédit validé pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études à l'Université de Laval au Canada. Ce ne sont pas des programmes de maîtrise, comme on les appelle au Canada, réguliers qui durent un an, deux ans. Ce sont des programmes de formation continue. Cours de 180 heures, en trois modules de 60 heures. Donc ce sont des formations courtes. De formation continue,
mais premièrement de niveau gradué, c'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans ces programmes-là, il faut déjà avoir un bagage universitaire. Et donc, je pense que l'idée, c'est d'offrir aux étudiants, à l'avenir de l'Afrique, n'est-ce pas ? C'est vous qui allez faire l'Afrique de demain, de vous exposer à différents intervenants qui apportent chacun leur expérience personnelle, professionnelle. Le partenaire a visité les installations de ESMER. Il a exprimé son admiration après avoir découvert la vision, les équipements, le niveau d'encadrement et les ambitions de ce pôle de formation et de recherche créé depuis 2015. Merci beaucoup. Et pendant ce temps, le Bénin se distingue à travers son agriculture, dont plusieurs filières sont porteuses, à savoir le coton, le soja, la nacarde, pour ne citer que celle-là. De belles performances enregistrées grâce à la mécanisation agricole devenue réalité dans le pays. Plusieurs autres équipements mécaniques agricoles viennent d'être réceptionnés au profit des producteurs de coton par la Société nationale de mécanisation SIS Aouida. Les détails avec Assiomontani, Assiomont. Réception d'équipements mécaniques agricoles multifonctions au profit des producteurs de coton. Pour la circonstance, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, s'est rendu en personne à la Société nationale de mécanisation agricole à Ouida. Les équipements sont composés, entre autres, de charrues, semoirs, roussemeuses, rouleaux que la SONAMA est fière de livrer. La stratégie de l'entreprise que le PNDMA et le MAEP nous a donnée, c'est d'être au service des producteurs. Aujourd'hui, on le fait de manière très technologique et moderne. Les appareils que vous avez vus, et notamment tout ce qui est partie strictile ou semoir, sont des matériels de haut niveau, de grande qualité. C'est qu'on va accompagner la production cotonnière et la rotation vers un progrès en termes de productivité. Et c'est déjà assez formidable de voir tout le matériel produit ici. Je crois qu'il y a dans l'assistance beaucoup de personnes qui y contribuent. Cette politique publique est une politique qui souhaite aussi assurer la sécurité alimentaire des producteurs. Depuis 2016, le Bénin s'est engagé résolument sur la voie de la mécanisation de l'agriculture avec des résultats qui témoignent des efforts faits par le gouvernement. Une dynamique qui place aujourd'hui le pays en tête dans certaines filières au niveau de la sous-région comme celle du coton. Il faut alors continuer sur la même lancée, d'où le renforcement des équipements. Pour aller à une agriculture réellement intensive, il nous faut joindre la mécanisation à cette initiative. Une mécanisation respectueuse de l'environnement qui permet de ne pas déstructurer le sol et qui permet de gagner du temps par rapport aux dates et périodes de semis. En même temps que nous semons le coton, il est possible aussi d'épandre l'engrais, de faire moins de passages sur le sol, de moins tasser le sol par les passages réguliers de ces engins relativement lourds, et enfin de préserver la terre pour les générations à venir. Avec ces nouveaux équipements multifonctions, les producteurs ont de quoi améliorer leur rendement à l'hectare. Pour leurs représentants, c'est une satisfaction. Les producteurs ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour avoir pensé leur faciliter la culture. Occasion pour le ministre béninois de l'Agriculture d'annoncer que certains matériels agricoles réceptionnés sont fabriqués au Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce jour-là que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous et surtout bon début de week-end à chacun et à tous.